la parole. Cette parole a deux pouvoirs, le pouvoir de bâtir et le pouvoir de détruire. Elle a été utilisée dans certaines circonstances pour détruire. Les génocides qui ont été perpétrés contre les Juifs en Europe et les Tutsis au Rwanda n'ont eu de succès que parce qu'il y a eu une parole véhiculée, une âne véhiculée par la parole. Et nous, nous avons réfléchi. D'abord, on est parti d'un constat. Entre le génocide des Juifs en Europe et le génocide des Tutsis au Rwanda, il s'est écoulé plusieurs années. J'ai compté. Cette année-ci, on est au 25e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda et approximativement 80e anniversaire du génocide des Juifs. Calculez l'écart. Posez-vous la question, pourquoi l'humanité n'a-t-elle pas appris? Eh bien, elle n'a pas appris parce qu'elle n'a pas réussi à s'approprier des concepts. Elle n'a pas réussi à comprendre que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. La jeune génération qui est ici présente n'a pas vécu les atrocités des génocides. J'ai été témoin du génocide des Tutsis au Rwanda. J'étais en République démocratique du Congo à l'époque. J'ai vu les réfugiés rwandais arriver. J'ai écouté la radio Mille Collines. J'ai mis du temps à comprendre qu'il s'agissait plutôt des messages de haine. C'est ainsi qu'avec la fondation Kalisa Ikama, dont je suis responsable des programmes et de la communication, et j'occupe aussi le poste de secrétaire permanent, dans le cadre de notre programme de promotion de la littérature et des arts en milieu jeune et d'éclosion des talents, nous avons décidé de lancer ce projet de concours d'éloquence. L'objectif, c'est de développer des talents d'orateurs, de préparer des leaders de demain, mais pas n'importe quel leader, des leaders qui vont transmettre des valeurs. Des leaders qui vont comprendre pourquoi il faut éviter des choses comme la stigmatisation, parce que sans s'en rendre compte, la stigmatisation peut conduire à la haine, et la haine peut, comme c'était le cas dans les années 30 et dans les années 90, conduire à des graves crimes contre l'humanité. Nous citons ici le génocide. Une autre valeur que nous allons véhiculer à travers ce concours, c'est la parité. Les candidats s'affrontent. Au premier tour, des garçons sont opposés aux filles. Dans la tête d'un garçon, il y a un cerveau. Dans la tête d'une fille, il y a aussi un cerveau. Opposons les cerveaux, c'est la meilleure manière de vendre la parité. Mesdames et messieurs, distingués invités, excellences, messieurs les ambassadeurs, je ne vais pas prendre trop de temps, ce n'est pas mon concours d'éloquence, je ne suis pas candidat. Nous avons sélectionné 4 discours spécifiques que vous écouterez juste après les communications. C'est des discours qui vont passer l'après-midi, mais après les avoir écoutés, on a pensé que c'est mieux qu'on vous les propose avant que vous n'alliez vaquer à vos différentes occupations. Merci et encore une fois, bienvenue dans cette salle. Merci à toi, Kent Phineas Tshiteya.